Oh, une vieille! Il reçoit une vieille. Salut! Non mais vous savez, attendez, il n'y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Si. Ah, c'est fini la vieille. Oh non, on a loupé. Voilà, on s'en fout la vieille. Alors, c'était quelques mots. Ah, de Solidarité Paysan, j'ai rien dit. L'association Solidarité Paysan. J'ai rien dit. Pardon, avec, excusez-moi. C'est toute la paysannerie bretonne que vous insultez là. Toujours bah, des gens très inspirants, je trouve, en tout cas. Tout à fait. En tout cas, tous ces gens qui très inspirants, pas vieilles du tout. Dans les associations. Et font beaucoup, bien sûr. Tu dis ça pour te rattraper ? Que ce voilà. Soit les présidents, les gens qui parlent de, en termes de com, qui soient salariés, bénévoles, etc. Moi, je trouve ça toujours incroyable d'interviewer les gens qui sont ouais. engagés. Et il faut vraiment être un gros con pour arriver sur ton stream et dire c'est qui la vieille, alors que c'est une meuf qui aide tous les jours nos agriculteurs. Mais s'il lève à 5h du matin depuis 20 ans, tu vois, pour labourer, pour des fils de pute qui vont manger son boulgour à Paris en lui crachant dessus, tu vois. Donc en fait, il a les nerfs. Il y a l'Europe qui lui casse les couilles, tu vois, qui lui empêche de faire pousser des trucs comme il veut. Donc tu sais pas. En fait, et n'hésitez pas, pardon, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais sur le site TheEven.fr, vous avez ouais, aussi ouais, vous pouvez acheter mes merdes. De ce que font les associations, leur site, si vous ah oui, aussi, ouais, pardon. Pour être bénévole ou même bénévole. Achète ma mère, achète ma mère. C'est infernal. Ouais, allez, on va voir Samuel Etchel parce qu'on aime. Ah, j'aime beaucoup Zerator, hein, je précise, j'ai rien contre le Z-Even, c'est vraiment que de la vanne, hein, tout ce que je dis. Hein. Tous la mec dans une frange camaraderie, je me rends parfaitement compte, en frère. Monsieur des bureaux du cœur, est-ce que tu veux choper une chaise? Oh, on va encore avoir un vieux du Nassau. Super. Bonjour le vieux. Tout d'un coup, il y a un vieux qui arrive. Encore? Non, mais c'est une marotte. Bah oui, c'est moi. Oh, ça va. Bah, je dois interviewer monsieur le bureau du cœur maintenant. Peut-être vous juste après. Ah, ils se battent, hein, les associations. Chacun son tour. Mais tout à fait. Vous êtes chargé de culture générale à Battle Royale. Tout le monde peut participer, bien sûr. Prenez votre téléphone si vous voulez jouer. Mais des choses. Merci. Tu peux attendre 10 minutes, mec? Ouais, je sais pas. Bref, je vais voir, je vais voir. Pardon, je sais plus où est-ce que j'étais. Oui, du coup, cet argent qu'on va récolter pour vous cette année. C'est là où tu te rends compte, pour un mec du bureau des cœurs, c'est compliqué de faire une interview sérieuse avec un mec habillé en abeille et des mecs qui gueulent au gueulophone de l'autre côté. On perd en sérieux, mais vas-y, essaye quand même. Alors, François. Donc, je vais reprendre ce que je disais. Avec gentillesse et patience. Merci, mon chéri. Et avec l'argent. Oui, donc c'est terrible. Il y a énormément de sans-abri avec un mec en guêpe à côté et un mec qui gueule au gueulophone. Et on va faire un quiz culture générale dans un instant. Et donc je disais, des gens en très grande précarité qui souffrent du froid toute l'année. Et on a passé les 100 000 balles. Oh, il y a Mickey qui passe derrière. Et deux suicides qui ont eu lieu cette année. Ça va en mélange, hein, quand même. Non, mais attends, excuse-moi. On a beaucoup rigolé gens, tous les deux. Voir des gens rire quand je parle de la mort d'un non, mais non, mais arrête, la mort, non, arrête. Non, mais non. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On va trop bien. Oui, trop bien. Oui, bon, oui, c'était pas non plus, mais oui, d'accord, ok, très bien. C'était pas non plus le cirque de Moscou. Bien sûr, c'est pas mon métier non plus, connard. Toi, c'est quoi un jeu qui t'a vraiment marqué? Parce qu'on parlait des jeux qui m'ont marqué, moi. Toi, c'est quoi un jeu qui t'a vraiment marqué? Bah, c'est beau, putain, le JDG qui me pose cette question, les gars, je peux crever tranquille. Mais ça va pas te plaire. Vas-y, je crève, crève. Bon, non, la méchanceté. Non, je ah non, je vais essayer de pas être méchant toute la. Ouais, bien sûr. Je crois qu'elle est méchante. C'est ça, t'as raison. Elle est méchante. Le mec qui va être insupportable toute la soirée. Alors c'est ça les streamers qui ont du talent. Ah ça, c'est ça les chanteurs qui ont du talent, qui ont de la répartie. Ah ouais. Et donc ça fait actuellement, voilà, c'est écrit 32 000 viewers, 46 124 euros. Voilà, c'est ça le talent. D'accord, ok. Non, je vais pas être comme ça. Je vais pas être comme ça toute la soirée. Two seconds later. Bon, alors, Kameto, ça fait 41 000 vues. On voit un trottoir avec des bruits de foule. Voilà, 41 000 vues, hein. Voilà, pour information. Voilà ce qui se passe chez les gros streamers, hein. Voilà le talent, hein, qu'on m'a dit que toi, Maël, tu n'atteindras jamais ces sommets, hein. Donc voilà,
voilà le talent à l'état pur. Il filme un trottoir, vraiment, c'est vrai que ça c'est du talent, quoi. Ça c'est du talent. Elle est humiliée et littéralement rongée par la jalousie. Relativement facile, et plus on va avancer, plus ça difficile. Allez, vous répondez avec moi, bien sûr. On va montrer à quel point on est plus talentueux que tous ces streamers qui ont beaucoup plus de viewers que moi. Ça marche pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous pouvez une gêne. Ah, il nous emmerde. Hein. C'est-à-dire, ça marche pas. Fais un petit F5. Voilà. Combien de budget pour ce Z-Event pour que la technique ne marche pas? Alors nos chercheurs sont sur le coup, mais bon, voilà, ça prend du temps. Et ça nous coûte des millions! Vous me disiez, ça c'est les gros streamers. Ça c'est les gros streamers, ça c'est ceux qui ont les équipes, qui ont les moyens techniques. C'est ça que vous disiez? D'accord. Vous êtes en boucle depuis qu'on est arrivé, vous n'avez pas d'autres centres d'intérêt? On n'entend pas, il n'y a pas de micro. Tu es dans la file d'avance. Voilà. Mais c'est bien organisé, c'est les gros streamers. C'est les gros streamers. C'est la question que je me pose. Ah, ça, c'est les gros streamers professionnels. Drôle. Pourtant, vous avez accepté l'invitation. Qui ont de la répartie, qui ont de l'organisation, qui ont des gros moyens, ça sent. Ouais, vous êtes vraiment en boucle, quoi. Ah, t'as pas eu le temps de répondre. Avoir cliqué. Ah. Et je me suis retrouvé. Ah là là, oui, parce que je vois qu'il y a Rudy. Ah, t'as pas eu le temps. Oh là 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 là, Juice n'a pas eu le temps. Je comprends. Ah ouais, putain. Ouais. Bien sûr. C'est des streamers qui sont à 6K, mais ils n'arrivent pas à gérer la technologie d'un smartphone, mais ok. Est-ce que vous avez fini de nous prendre pour des billes? Je pense que Actuan aussi, il a dû se tromper, parce qu'il a mis la sculpture aussi, mais je pense qu'il a cliqué. Je pense. On l'embrasse, évidemment. Voilà. On est en train d'expliquer que ceux qui sont bourrés ont fait des erreurs techniques. C'est juste des streamers qui, normalement, gèrent des setups hyper compliqués et tout, mais d'accord. C'est pas du foutage de gueule, ça. Quelle compétition e-sport le streamer Zerator, si vous connaissez, a-t-il organisé sur Trackmania en 2023? L'ascension, l'escalade, l'évolution ou bien l'envol? J'en sais rien du tout. T'es éliminé dans 5 questions, arrête. Je ne sais pas du tout. L'ascension, d'accord. C'est une question un peu orientée, bien sûr. En même temps, si vous posez des questions qu'il n'y a que les chômeurs et les gens, et une question d'entre soi qu'il n'y a que vous qui pouvez répondre, ok, très bien. Ah, attends, c'est quoi cette question à la con? Samuel Etienne se fait une teinture. Faut y aller Samuel, c'est bon, avec tous les cheveux blancs que t'as, tu peux y aller, c'est bon. Faut avoir la main lourde. C'est pas bien ce que vous faites. Du jaune, oui. Oui, mais t'inquiète, avec tout le blanc que t'avais, tu peux... Vas-y, n'aie pas peur, hein. Y a un certain âge à cacher, hein. C'est long de dire des horreurs pareilles. Je préfère rien entendre. Voilà, regardez, voilà, le Z-Event, l'événement des woke. Je vais être infect. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce plateau télé de 2037, là? Le mettre des fleurs, c'est... Avec un mec avec des cheveux roses et en mini-jupe. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans vos vieux schémas hétéro-conservateurs, Ramzi. Vous pouvez aussi être du côté de la paix, du progrès, l'épanouissement des êtres humains. Ryan de Paris, oui, on a le petit Ryan, qu'est-ce qu'il y a? Oui, excusez-moi. Une racaille à capuche. Est-ce que les questions... On ne sait même pas ce qu'on regarde. L'étoile serait pas un joker. C'est une émission de télé ou c'est un blocage d'une fac par les woke, là? Qu'est-ce qu'on regarde, en fait? Il se met derrière le bar. Vous savez quoi, j'invalide, c'était un test, ça a marché, c'est très bien. Je vais voir si ça marchait pour chacun. Voilà, j'invalide ce qui s'est passé. Ça c'est bien la gauche, on change les règles en cours de route. C'était une question qui compte, d'un seul coup c'est un essai. C'est bien la gauche, ça. Ah, je fais ce que je veux, si je stand, je... Il faut être juste, il faut pas s'énerver. Alors, ils diront même pas ce qu'on... Tu vois, quand il y a des mauvaises réponses, il y en a encore une là, ils ne le disent même pas. Tu vois, ça c'est vraiment la gauche, tu vois, on dénonce pas, on se couvre, voilà, tu vois, on se couvre, non, mais l'idée c'est qu'on progresse tous ensemble, c'est pas une compétition, voilà, c'est ce genre de logique à la con, tu vois, c'est infernal. C'est vraiment, on sent que c'est une émission animée par Ponce, quoi. Mascarade. Ah oui, mais non, j'avais oublié, ça se couvre entre gros bonnets. C'est vrai qu'on est dans le vaisseau mère des gros bonnets. Comment ça, c'est de sa faute? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, j'avais mis bleu et t'as dit oui. Mais il y a un piège. Et du coup, je me suis dit, c'est le jeu où il y a la salopette rouge et la chemisier jaune. Mais fais-toi confiance. Moi, je... C'est vraiment la gauche, ça, les mauvais joueurs. Mais là, ça n'a pas...
comptabilisé. Et du coup, ça n'a pas... Oui, voilà, les c'est excuses, vrai, c'est voilà. C'est réel. Pressé, mais ça n'a pas comptabilisé. Voilà, les fausses excuses de la gauche, voilà. Bouge-toi, mon pote. Bouge-toi un peu. Fais quelque chose à part pleurnicher. C'est bon, ça, ta vie ? C'est bon. Oh là là, voilà, voilà, voilà. Voilà, un plateau de gauche, c'est l'anarchie, voilà. Chacun fait ses règles. Ah ouais, c'est vrai ? Machine s'est trompée, elle a une excuse, alors on annule, voilà, 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 voilà. Et c'est avec ça que la société doit avancer, voilà, voilà. Voilà, voilà, on rend, voilà, voilà. C'est des règles du jeu à géométrie variable, voilà. On rend des vies, on fait ce qu'on veut, voilà, voilà, voilà. Ah, tout cela c'est fait un peu à la confiance, ah bon. Oui, mais... Oui, mais c'est ça la lame, en fait, il faut comprendre la pression, mais... il faut l'encaisser. Et si donc, la plus rapide a été Niniste. Non mais ne faites pas un jeu si vous changez les règles et que vous redonnez des points à ceux qu'on lui faut. Il y a un moment donné, on fait pas un jeu, alors. On se dit juste, on se fait une soirée entre amis où on se pose des questions, mais ne faites pas un jeu avec vos smartphones que vous arrêtez pas d'accuser la technique dès qu'il y a une erreur. Infernal. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde où c'est jamais à moi de jouer? Vous le faites exprès? Ah. Là, vous voyez ce qu'ils viennent de dire, c'est qu'ils sont en train de dire les streamers en ligne, eux, quand il y a une erreur, un truc technique et tout, ils ne peuvent pas regratter des vies comme ils sont en train de se les renégocier là sur le plateau. C'est encore, voilà, sous le côté on est tous ensemble, on joue, c'est en fait une caste, la caste de ceux en plateau qui sont favorisés et ceux qui sont en ligne qui sont défavorisés, voilà. On sent encore tout l'entre-soi de ce milieu, de ce Z-Event. Vous voulez vous débarrasser de moi pour jouer entre vous, mais j'en ai rien à foutre. Moi non plus, je ne vous aime pas. Fred, oh bah plaisir. Il a le logo. Mais c'est vrai, il a pas tort. Et tonton, c'était très gentil. Hein. Non mais parce que tonton a répondu. Les animaux. Non. Non, bah non, Gomar, non. Il a pas... Là je vois le facaste, qui s'énerve, qui commence à dire oh, c'est bon, ça commence à casser les couilles. Le jeu il termine jamais si on n'arrête pas de redonner les vies à tout le monde. Tout le monde va donner son avis, on lui lâche qu'à dimanche soir. C'est bon, ça va être ça. Non mais c'est vrai, ça va être ça le jeu. On va redonner des vies H24 là où on avance. Il faut qu'on avance, nom de Dieu. C'est vrai, non? Chanson, c'est quand on arrive en ville. Non. Quand on arrive en ville, c'est Starmania quand il fait les loupards. Moi j'ai même la chanson. Ça c'est de la culture. C'était Starmania. Et oui. Ce que j'ai dit, c'est que la question précédente était quand même beaucoup plus facile que celle-ci qui monte en cré. Oui, oui, effectivement. Parce que tout le monde s'en bat les couilles de Daniel Balavoine. Voilà, 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 voilà. Dès qu'il y a un truc de plus de 10 ans, hein, pour la connasse de gauche, forcément, tout le monde s'en bat les couilles. Pardon, pardon, mais elle m'a énervé. Je sais pas ce qui m'a pris. Excuse-toi pas, Vévert, j'aurais fait la même chose. Arrête. Parce que, en fait, dès que c'est de la culture qui ne les concerne pas eux, forcément, tout le monde s'en bat les couilles. T'es juste une méga star, mais dès que t'as pas la bonne réponse, tu t'en fous et c'est un oppresseur du patriarcat, on a compris, Ultia. Ok. Pardon, je m'emballe là, je suis en train de m'emballer, je m'emballe. Wow. Wow. Mais oui, t'as raison. Allez, courage, pressé, hein. Ah, il y a un anneau. Il y a un anneau quelque part. Un anneau unique apparemment. Mais... Allez. Tain, c'est marrant, c'est vraiment tous les PNJ qui sortent. Il reste que les gros streamers, c'est comme par hasard. Donc, on dirait un jeu truqué. On dirait une série où t'as tous les figurants qui sortent petit à petit et t'as que les stars qui restent jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle fait ? Truc, elle fait de la techno dance de gauche. Elle fait du wokisme. C'est pas que j'arrête avec ça. J'ai envie de voir ça. L'image est folle. Ce mec en mini jupe, perruque rose. Woke qui va se prendre un coup de pied d'une. Je suis en train. Qu'est-ce que je passe là? Eh ben vas-y, force à vous les refs. Hein. Putain, mais il dénote tellement. C'était vraiment. Je sais pas comment dire, c'est le Dimmy au milieu du clan des Reveux Renault. C'est hyper violent. Hein? Yo, brother! À chipper, à choper! Alors.
Excusez-moi. Excusez-moi, je vois des choses. Excusez-moi. J'ai des visions d'harcèlement des petits blancs dans les cités, dans les collèges de cités. Pas de stigmatisation. Pas d'amalgame. Tu sais, il y a vraiment un côté. Le petit bobo qui se fait coincer dans la ruelle par les... On suit le quotidien de Mistinguette, jeune transsexuel qui rentre de la Gay Pride et qui se fait coincer dans une ruelle par Doumbé et Kameto qui décide de l'agresser. On est dans une boîte à partout. Quoi? Mistinguette est un jeune transsexuel d'origine béninoise. Quotidien d'un jeune transsexuel dans les cités. Excusez-moi, samedi soir, je suis en craquage là. Il va être temps que le quiz démarre d'étoiles parce que là, sinon on va dire des choses. Et alors que Mistinguette pensait être abordé pour une partouze par Doumbé et Kameto, c'est en réalité une agression en règle qui se produit dans la ruelle sombre de l'impasse des Granges. Essayant de ressortir sa virilité, Mistinguette, le transsexuel, tente de faire bonne figure, mais en réalité une certaine tension sexuelle commence à ressortir de cette scène d'agression. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Julia, une femme transgenre de 31 ans, prise à partie par plusieurs personnes à la sortie d'un métro parisien. Des insultes. Puis ce sont des coups.